Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait un bracelet avec trois fils et des perles et des anneaux. J'ai utilisé des perles d'alliage d'argent et mail, des perles argentées, des anneaux de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Une pince plate, des ciseaux, du silicone liquide, un cure-dent et un briquet. J'ai donc pris trois morceaux de fil nylon torsadé noir, à peu près des 20-22 cm, ça dépend de la longueur que vous voulez du bracelet. Et donc, dans un des fils, on va mettre, je vais commencer par le milieu parce qu'en fait, je savais pas trop comment j'allais faire le patron, donc j'ai commencé par le milieu. J'ai mis donc une perle argentée et trois petits anneaux argentés de chaque côté. Et après, de part et d'autre, j'ai mis une perle d'alliage d'argent et maille rose, voilà, de chaque côté. Et à partir de là, j'ai mis un fil de chaque côté de ce fil central. Voilà, et je vais prendre les trois fils ensemble pour coincer, on va dire, ces perles que j'ai mis au centre. Donc, je vais prendre un petit anneau. Celui-là, pas de couleur argent, c'était un peu, bon, il n'est pas noir, mais des couleurs foncées, donc on verra moins, on va dire. C'était pour qu'on les voit moins. Donc j'ai pris les trois fils ensemble avec ce petit anneau. J'ai coincé donc mes trois perles qui sont au centre. Je les ai pris de cette façon et avec la pince plate, j'ai aplati l'anneau, ce qui fait que ça va coincer mes trois fils ensemble. Et comme ça, les perles ne vont pas bouger. Après, pour cacher donc ce petit anneau que je viens d'aplatir, je vais mettre trois gros anneaux. Enfin, ils sont un peu plus gros, ceux-là. Enfin, je vais en mettre quatre pour être sûr que ça va cacher cet anneau que j'ai aplati. Voilà. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends les trois fils ensemble. Je mets un petit anneau couleur cuivre, on va dire, je sais pas c'est quoi la couleur exactement, mais c'est un peu plus foncé. Je vais prendre la pince plate, je l'aplatis et je mets mes quatre anneaux un peu plus gros. Voilà, à partir de là, je vais faire pareil de chaque côté dans le fil central, mais là je vais inverser. Donc là, je vais mettre une perle couleur argent, les trois petits anneaux argenté, une perle de alliage d'argent et maille rose et trois petits anneaux argentés et une autre perle argentée. Lisse. Voilà. Vous voyez, ça fait l'inverse de ce que j'avais fait avant. Et après, je vais coincer de la même façon. Je vais prendre les trois fils ensemble. Je mets un petit anneau couleur foncée. Je mets les trois fils, j'ai servi mes trois perles avec un fil qui passe de chaque côté. Et après, avec la pince plate, j'aplatis et ça va me coincer mes trois perles. Je remets quatre anneaux plus gros et après, je mettrai juste une perle rose, voilà, d'alliage d'argent et maille rose. Et après, de l'autre côté du centre, je vais faire la même chose. Une fois qu'on a ça, le bracelet, ça y est, il est pratiquement fait. Je vais prendre le fermoir et avec un cure-dent, je vais mesurer la profondeur en fait où je dois mettre le fil. De cette façon, voilà, j'ai calculé. J'ai coupé mes trois fils, donc à l'extrémité. Et pour que ça soit plus simple pour mettre les trois fils dans le fermoir, comme c'est du nylon, je vais les brûler ensemble. Ça va faire un bloc. Voilà, on brûle les trois fils ensemble, on les aplatit. Et comme ça, c'est plus simple pour le coller après dans le fermoir. Je vais vérifier que ça rentre bien dans le fermoir. Voilà, et après j'ai pris du silicone liquide que j'ai mis à l'intérieur du fermoir. Vous pouvez mettre du silicone chaud, mais bon, ça sèche plus vite, donc il faut être rapide. Avec ce silicone, on a le temps de travailler quand même. Donc après, une fois que j'ai mis le silicone, je me suis aidé avec le cure-dent pour bien que ça rentre à l'intérieur.
Je serre de l'autre côté, à l'autre extrémité, je fais pareil, avec l'autre fermoir, et voilà. Notre bracelet est fait, on attend quand même un peu que ça sèche, le silicone. Et voilà, un joli bracelet, je trouve. Très simple à faire, et très rapide. Bon, j'espère que vous aimez, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.